Y'a quelqu'un ? Je suis dans le bâtiment. Je vais vous faire faire un petit tour rapidement parce que je sais que pas mal d'entre vous aiment bien voir le bâtiment autre que en mode infrarouge de nuit quoi. Donc malheureusement on est la nuit. Je vais quand même faire un petit tour et vous montrer le bâtiment. Vous le connaissez, c'est un lieu que j'ai fait il y a un bon moment maintenant. J'avais envie d'y revenir. Cette maison, elle est juste incroyable en fait. L'atmosphère est particulière. Je vous cache pas qu'il y a eu pas mal de dégâts. Malheureusement, vous allez voir ça par vous-même. Encore une fois, les gens cassent et ne respectent rien. C'est affreux. Je vous fais faire ce tour. Alors, rapidement, on fait un tour comme ça, vous voyez un petit peu le lieu, même si vous le connaissez déjà pour certains. Et après, je termine mon installation. Et on y va. Et c'est parti. Allez. Je vais déjà commencer par vous montrer. Alors ici, comme d'habitude, je me suis fait un QG pour mettre tout mon matériel. Là, j'ai mangé un morceau. Comme ça, je suis paré. On va commencer par où ? Alors, je vais pas vous situer tout. Il y a des chambres. Il y a pas mal de chambres à cet étage, comme ici. Des chambres avec... bien évidemment, la salle de bain. J'entends un chien. Je pense que là, vous allez reconnaître si je me mets ici. Il y a des chances que vous reconnaissiez ce plan. C'est dévasté, hein, c'est terrible. Ça, vous reconnaissez sûrement aussi. Ils ont pété tout ce qu'il y avait. C'est incroyable. Je comprends pas. Je comprendrai toujours pas en fait ce genre de comportement. Ouais. Ça, c'est déjà un étage. On va aller en bas. Alors en bas, c'est pareil, il y a plusieurs pièces. Des chambres. Pour ceux qui se souviennent, je sais pas si c'était ici. Je crois que c'était dans cette pièce où j'avais enregistré des bruits de pas à l'étage.
sais pas si vous vous souvenez de ça. Un garage. Ça, c'est un autre garage. Là, il y a une douche. Ça n'a pas de... pas d'intérêt. Alors, c'est pareil ici aussi. Pardon. J'avais mis une caméra qui filmait ça. Je pense pas en mettre ce soir parce que malheureusement la porte du garage a été fracassée, les mecs ils ont tout pété. Donc c'est ouvert. Je suis un peu techniquement en danger ce soir, je trouve. Là pour moi ça va être un tournage stressant, très stressant, ne serait-ce que par rapport à ça, le fait que ce soit grand ouvert, et que surtout le fait qu'il y ait eu toutes ces dégradations, ça prouve que le bâtiment est visité. Alors qui dit visité dit pas forcément cassé, hein. Moi je casse rien et je ne casserai rien. En revanche, il y en a qui se gênent pas. Et voilà ce que ça donne, quoi. C'est terrible. Hein. Tout est défoncé, tout est... Hop. Et... le fameux grenier. Où, bien évidemment, je vais mettre une caméra. Alors cette pièce, fatalement, je la fais pas parce que je vais pas aller marcher tout sur tout ce bazar. La caméra, je sais pas où est-ce que je vais la mettre ici. Peut-être là. Peut-être comme ça, ça va bloquer en fait tout ça. Alors là, vous y voyez pas forcément bien, je vais faire ça. Mais la caméra nocturne y verra beaucoup mieux. Donc on aura une belle vue. Bon, il y a juste ce gros poteau en face, mais c'est pas grave, c'est la cheminée. Il y avait une poupée à l'époque. D'ailleurs, il y a le chapeau là. Ah, ça, je crois que c'est une partie de sa robe. Je crois. Il me semble. Et je la retrouve pas. Ils ont dû jouer avec. Ou l'embarquer, je sais pas. Elle était ici à l'étage, mais elle n'y est plus. Alors, je vous avouerai que je m'inquiète un peu pour mon matos ce soir, pour ma voiture. Et pour moi-même, pour le coup. Parce qu'il y a eu du passage tout à l'heure quand je suis arrivé. Et soit c'est du voisinage et... dans ce cas-là, c'est pas grave. Hop. Voilà, on a fait le tour. On revient au QG. Il y a du voisinage. Alors attendez, je vais faire un truc. Hop, je coupe et je retourne la caméra. Là. Du coup, je vous disais, il y a du voisinage. La maison est surplombe en fait tout un village. Et en bas, il y a tout le village, donc il y a forcément du voisinage en bas. On ne sera pas dérangé en tout cas par les bruits voisins, à part peut-être la route en bas s'il y a des motos ou des véhicules bruyants qui passent, ça peut gêner. Et en haut, je sais pas, parce que j'ai jamais été voir, il doit y avoir d'autres habitations, mais un peu plus haut. Et du coup, oui, voilà, j'ai un peu peur pour mon matos et pour ma personne et pour ma voiture. Parce que quand vous voyez l'état du bâtiment, ben vous savez que les gens qui viennent ici, alors pas tous évidemment, je veux jeter la pierre sur personne, mais vous savez qu'ils sont, ben ils viennent pas pour se promener quoi. Ils viennent pour faire des conneries.
Voilà, donc nous, c'est pas le cas. On fait un tournage ce soir. Alors, quand je dis nous, je parle de vous et moi. On m'a déjà dit pourquoi tu dis nous. Quand je dis nous, je parle de vous et moi. Nous, on est là pour faire un tournage en espérant que les choses se passent bien pour ma sécurité, mais aussi bien du coup pour le tournage. Depuis tout à l'heure, c'est calme. Il y a quelques petits bruits que je n'arrive pas à situer. Je ne sais pas ce que c'est. Mais dans l'ensemble, c'est calme. Il doit y avoir des souris. Ouais, il y a des souris. Mais vu que je suis présent, les souris vont se faire toutes petites, à mon avis. Et si on entend des petits bruits de pas, de pattes, pour le coup, et des petits bruits de grignotement, ça sera sûrement rien d'autre que des rats ou des souris. Voilà, ça c'est pas gênant. Allez, je finis de m'installer, et puis on commence tout de suite. C'est parti. Ok, tout ça s'est lancé. Auparavant,
semble, servi de maison tout à fait normale. Voilà. Merde. Ça commence. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison ? Alors là, il est déclenché de manière fixe. Est-ce que c'est vous qui faites ça ? Il y a une chauve-souris qui passe, c'est pas grave, c'est pas gênant. Vous voulez bien l'arrêter ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez-le. Alors, ça fait un moment qu'il est branché. Et il ne s'est pas du tout déclenché depuis. Est-ce que c'est vous qui faites ça ? Vous êtes à côté de mon appareil ? Est-ce que vous pouvez sortir de la pièce, s'il vous plaît ? Juste un instant. S'il vous plaît. Reculez. Si vous voulez me montrer que vous êtes là, c'est un très bon moyen de le faire. Mais ça le sera encore mieux si vous l'arrêtez. S'il vous plaît, reculez. Si vous ne le faites pas, je vais être obligé de l'arrêter moi-même. S'il vous plaît. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter, je vais le redémarrer. Je pose la caméra là, je l'arrête. Je vous laisse 2 secondes encore pour l'arrêter et si vous ne le faites pas, je le fais moi-même. Bon, écoutez. Qu'est-ce que c'est que je viens de voir là ? Alors, je sais pas si ça s'est vu aux caméras. Juste quand j'ai reculé, j'ai vu comme une petite. Alors, je vais dire une poussière pour le coup, au cas où. Mais comme s'il y avait une petite masse blanche toute petite qui partait. Alors, je sais pas si ça s'est vu. Bon, alors, mes amis,
J'ai pas eu le temps de commencer, du coup. C'est souvent comme ça, là, depuis quelques temps. Les choses démarrent très fort et ça se poursuit de manière assez assez haute, on va dire. Je sais pas trop quoi dire, dans le sens où ça fait un moment que je suis pas venu dans cette maison. Et j'étais en train de vous parler du lieu. Donc je vais me permettre juste, avant de continuer, d'expliquer un petit peu quel était ce lieu, enfin, parce que moi j'en sais. Je vais faire le tour pour vous parler du matériel que j'ai mis en place. Je tiens à vous dire que voilà, j'ai mis pas mal de matériel dans cette maison. Il y a trois caméras dans cet étage, une ici, une dans le couloir et une dans le hall, l'accueil. Il y en a une au grenier et il y a du matériel un petit peu partout autour de ces caméras, comme l'appareil que vous venez peut-être de déclencher, je ne sais pas si c'est vous. Voilà, je tiens à vous dire que si vous voulez l'utiliser, tout ce matériel, vous pouvez l'utiliser sans rien casser. Le but, c'est qu'il nous aide à communiquer. Il va vous aider à vous, à communiquer à travers eux, pour me montrer que vous êtes là, par exemple. Ok ? Si vous m'avez compris, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, un bruit, déclencher un appareil, me parler ? S'il vous plaît. Ok, bon, vous avez le temps. Comme je le dis toujours, je ne vous presse pas. Je vous laisse le temps de faire les choses. Je suis là pour ça, j'ai le temps. On va passer plusieurs heures ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas, prenez le temps, faites ce que vous voulez. Le but de ma présence, c'est que je puisse enregistrer, filmer des phénomènes paranormaux. Et nous, on a ce qu'on appelle des phénomènes paranormaux. Ce serait par exemple de pouvoir communiquer avec vous. Vous pourriez fermer une porte, utiliser mes appareils, utiliser la planche de Ouija pardon, qu'il y a au sol. Tout ce que vous voulez, à partir du moment où ça permet de savoir que vous êtes là. Donc, je vous disais, avant que je sois coupé par le téléphone, c'est un bâtiment qui a servi d'accueil, en fait, pour un autre bâtiment qui est pas très loin. Avant ça, il me semble, mais je ne veux pas m'avancer pour ne pas dire de bêtises, je vous l'avais expliqué comme ça à l'époque, en fonction de la disposition, on va dire, des pièces, de ce qu'on peut retrouver dans les pièces. Alors, j'ai entendu un son aigu. Je ne sais pas si ça vient de l'extérieur, si c'est un animal, ou une voix, ou si ça vient de dedans. Bon, toujours est-il que dans ce bâtiment, il y a des chambres, ça c'était un salon, ça ressemble très fortement à un salon, il y a des chambres où on y trouve des salles de bain. C'est pour ça que moi, je suis plutôt d'avis de dire que cette maison existait déjà avant l'autre gros bâtiment, et qu'elle a servi de... Ben, que c'était une maison, tout simplement, une maison banale. Mais je n'en suis pas sûr. J'ai plus le souvenir des infos que j'avais pu avoir sur cette maison. La seule chose dont je suis sûr, c'est que ça a été un accueil après pour ce bâtiment à côté. Voilà pour la maison. Je ne vous en dirai pas plus parce que je ne sais pas vraiment plus. Et que moi, je pars du principe que je préfère laisser la place au mystère et pas me laisser guider par des possibles... histoire de hantise qu'on pourrait retrouver dans un bâtiment. Je préfère vivre mes expériences et revenir et essayer de réitérer ces expériences-là, ou en tout cas les phénomènes que j'ai pu déjà avoir. Ici, il y a eu des trucs très intéressants. J'ai enregistré des bruits de pas. J'ai enregistré... qu'est-ce que j'ai enregistré encore ? La Ghost Leaf qui était ici à l'époque,
qui était posée là, la feuille avait fait un tour complet d'un coup. C'était assez perturbant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de trucs dans cette maison. Donc du coup, voilà, ça sera une contre-enquête pour le coup, pour essayer de réitérer tout ça. Donc ici, j'ai mis le plan que vous voyez là tout de suite. Donc là, c'est un plan que j'avais déjà mis à l'époque et que je remets aujourd'hui parce que déjà d'une, la maison n'est pas grande. Et surtout, c'est un plan qui me plaît beaucoup parce que c'est un plan central. Ça, c'est la zone centrale de cette maison. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis le terrain qui s'est déjà déclenché. Donc la Ouija, je la laisse au centre toute la soirée au cas où, on ne sait jamais. Je ne dis pas que ça va fonctionner, que la goutte va se déplacer toute seule, mais sait-on jamais. Je vais faire une séance aussi tout à l'heure. La Ghost Leaf, vous allez pouvoir remarquer que sur la Ghost Leaf, il y en a deux dans la maison. Il y en a une, je ne sais pas si on va le voir. Oh pardon, ça c'est bon. Je vais faire comme ça. Il y en a une où j'ai écrit oui dessus. Donc je vais inviter les entités qu'il y a ici. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Cet objet que j'éclaire là, c'est une ghost leaf. C'est un objet que j'ai créé pour essayer de communiquer avec vous. Il y en a deux dans la maison. Il y en a une ici et une à l'accueil. Sur les ghost leaf, il y en a une, celle-ci où il y a écrit oui. Et sur l'autre, il y a écrit « non ». Quand je vais vous poser des questions, par exemple, si vous voulez me répondre grâce à cet objet, si vous voulez me dire « oui », vous pouvez essayer de faire bouger celle-ci. Et si vous voulez me dire « non », vous pouvez essayer de bouger l'autre. Voilà, c'est une expérience comme une autre. J'essaie de trouver des solutions de communiquer avec vous. Alors, elle bougeote. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de vent en fait. C'est peut-être parce que je suis à côté. Elle a bougé, c'est sûr. Donc voilà, si vous voulez faire comme ça, c'est une première solution déjà pour essayer de communiquer avec moi. Elle bouge pas. Il n'y a pas de courant d'air, cette maison est... Alors elle n'est pas hermétiquement fermée. Mais elle est fermée un maximum, sauf le garage. Le garage est en bas. Donc, pour finir, ici on a un pod, hein, c'est un détecteur de présence en soi, à interpréter avec délicatesse parce que ça peut faire office aussi de détecteur d'ondes. Donc voilà, les ondes, on sait comment ça fait sonner les appareils, donc on sait les interpréter. Quand je dis on, je le répète encore une fois, je parle de toute personne par exemple qui fait ce genre de tournage. Normalement, quand on entend un détecteur de ce type-là se déclencher, il y a des sons qui nous permettent de voir que c'est plutôt une onde ou quelque chose comme ça. Voilà, une onde. Ici, au niveau de la cheminée, il y a du bois, donc j'ai posé. J'ai entendu des boums. Qui nous permettent de voir que c'est plutôt une onde ou quelque chose comme ça. Une onde. Ici, au niveau de la cheminée, il y a du bois, donc j'ai posé. J'ai entendu des boums. Qui nous permettent de voir que c'est plutôt une onde ou quelque chose comme ça. Une onde. Ici, au niveau de la cheminée, il y a du bois, donc j'ai posé. J'ai entendu des boums. J'ai posé un détecteur de vibration. Il y a quelqu'un ? Est-ce que c'est vous ?
l'idée, c'est que ça se passe comme pour l'épisode Black Nightmare, à l'orphelinat. Est-ce que c'est vous? Arrêtez-le, s'il vous plaît. Reculez. Ça va m'assurer que c'est vous qui faites ça. S'il vous plaît. Vous voulez me dire quelque chose ? Arrêtez-le, s'il vous plaît. Si vous l'avez démarré, vous pouvez l'arrêter. Je vais poser une question simple. Est-ce que vous êtes la même entité qu'il y avait avec moi à l'orphelinat? Je vais l'arrêter. C'est pas que ça m'inquiète, c'est que ça va me perturber si c'est le cas. Le dernier tournage, pour ceux qui l'ont vu, il s'est passé des trucs incroyables avec le Theramine, des choses qui n'étaient jamais arrivées. Enfin, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Là, je suis en train de me poser la question, si ça se reproduit encore ce soir, ça veut potentiellement dire qu'il pourrait y avoir une entité clairement, qui me suit et qui refait
exactement ça comme la dernière fois. Parce que si c'est la même entité, elle a sûrement dû voir ou ressentir que moi ça m'a terrifié. Donc peut-être que elle serait susceptible de jouer de ça. On va voir, je crois qu'il doit y avoir un mini-courant d'air parce qu'elle arrête pas de bouger la feuille. Non, je vais me mettre ici 2 secondes. Alors il y a un micro courant d'air, je le sens. Pourquoi ? Ah, c'est pour ça, putain. C'est ma faute. Là. Là, normalement, ça règle le problème. Il me semble qu'il n'y a plus rien d'autre d'ouvert. On va quand même vérifier. Ici c'est fermé. Là c'est fermé. Ici c'est fermé. Là, il y a une planche aussi derrière, c'est fermé. J'en profite pour vous montrer ce plan. Ce plan, c'est un plan aussi que j'avais déjà mis ici, pour couvrir un peu le couloir et la même zone avec le térémine et tout ça. Parce que je trouve que c'est un plan intéressant, parce que tout passe par cette zone. Tout se passe techniquement ici. Donc c'est un plan que je voulais garder à tout prix. Bon, je... Elle n'a plus l'air de bouger. Il me semble qu'elle bouge plus. Là, il n'y a rien qui est susceptible de laisser passer de l'air. Là, vous voyez qu'il y a une caméra et pas mal de matériel. Là, il n'y a pas d'air qui passe. Alors, je vous montre le plan de cette caméra. Donc là, vous voyez, c'est le fameux hall d'entrée. L'accueil, quoi. C'était une zone où, si vous vous souvenez, là où il y a le multitask à droite, donc, je vais vous montrer ici, il y avait un morceau de verre en fait qui était en suspens. Et pendant que j'étais en train de faire une séance, alors je ne sais plus si c'était de Ouija ou d'écriture automatique, la vitre était tombée. Êtes-vous avec moi ? Est-ce que vous pouvez ? Putain de merde ! Il y avait un morceau de verre ici qui était pas loin. Je sais pas si vous voyez. La porte, elle a pas bougé. Alors, je pense que le truc, il était prêt à tomber.
mon avis, il devait être prêt à tomber. Et il s'est cassé la gueule. Franchement, je préfère penser ça, vraiment. Là, tout de suite, je préfère vraiment penser ça. Alors bon, maintenant, malheureusement, il y a eu des dégâts, ils ont tout cassé. Mais c'était pour vous resituer un petit peu le contexte de la première fois que je suis venu. Donc là, j'ai mis un multitask, comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Ici, j'ai mis un anémomètre, mais je pense que je l'ai mis pour rien. Bon, ça me permettra, moi, en passant, de vérifier s'il y a un courant d'air. L'anémomètre, c'est pour que s'il y a du vent, l'hélice va tourner, ça me permettra de savoir qu'il y a du vent, et du coup, pas mal interpréter la ghost leaf. La ghost leaf, juste à côté, vous voyez qu'il y a le signe non décrit. Donc, cette ghost leaf là, techniquement, si je pars du principe que le principe que j'ai mis en place, on va dire, une ghost leaf là-bas pour oui, une pour non ici, si ça les tourne, on pourra voir si ça peut fonctionner avec deux ghost leaf, une oui, une non. J'ai mis une petite boule de Noël là posée à côté, elle est appuyée contre un petit bout de verre là, donc elle bouge pas, on sait jamais, ça peut être utile, si pourquoi pas. Et à côté, comme c'est du bois, il y a le détecteur de vibration. Voilà. Là, vous avez vu toutes les caméras, y compris celle du grenier au tout début, même si je ne suis pas resté très longtemps. Là, c'est une zone où il y a beaucoup de gravats, de dégâts. Donc, je ne vais pas forcément trop vadrouiller ici, parce que c'est sale, ça fait du bruit pour pas grand-chose. Et voilà, tout simplement. Donc, on va continuer. On va essayer d'interpeller. Donc, ici, c'est mon QG. Je ne vais pas y venir des mains, je pourrais peut-être venir poser 2-3 questions. Après, s'il s'y passe des choses, je viendrai, bien évidemment, on ne sait jamais. Alors, comme d'habitude, au programme, il y aura une petite séance de Spirit Box. Pas très longue. Comme je vous l'ai déjà dit, j'en fais plus de très longue, ça sert à rien, c'est embêtant. Je préfère en fait en faire plusieurs petites qu'une grosse. Donc là, on a une chambre où on avait eu des bruits de pas aussi, je crois. Non, c'était pas celle-ci. Je me souviens plus exactement en fait de où se sont passées les choses. Je sais plus. Je vous propose qu'on commence par faire un petit tour de tout le bâtiment sans parler. Je fais le tour, je dis plus rien, et on écoute.
vérifier le déclenchement de 1 degré à 5, juste pour vérifier si il arrête de biper comme ça.
Bon, on a fait un tour dans le calme, sans bruit. C'est relativement calme pour l'instant, en tout cas. On va commencer à interpeller et après on va tenter une première séance de Ouija. Une séance de Ouija, il n'y en aura qu'une. On va voir si ça peut. Alors, comme je disais, j'ai fait un tour calmement pour écouter, voir si vous êtes ici. Dans l'immédiat, je ne vous ai pas entendu. Tout est calme. Alors, je vais me présenter au cas où vous ne me connaissiez pas. Moi, je m'appelle Cédric. Vous pouvez aussi m'appeler Oz. C'est mon surnom. Comme je vous l'ai dit, je viens ici pour essayer de parler avec vous, de vous enregistrer. Et éventuellement vous aider si je le peux, si vous avez besoin d'aide. Et pour ça, il va falloir me dire quoi et comment faire. Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour me dire que vous m'entendez? Comme déclencher le theremin, par exemple. Vous pouvez faire ça? Calme pour l'instant. J'espère que ça va rester calme comme ça toute la soirée. Alors, je vais faire quelque chose. Je vous l'éclaire là au sol. Je vais m'installer, alors peut-être plus de côté. Je vais m'installer devant cette planche. C'est une planche de Ouija. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne rapidement, très rapidement. Et je vais vous demander de venir participer avec moi. Donc je vais juste m'installer. Ça va me prendre 2 minutes. Et on va commencer. Donc je vous invite à me rejoindre et à partager cette expérience avec moi. Je m'installe et on commence. Alors,
je vais me mettre comme ça pour la séance de Ouija. La position n'est pas vraiment agréable, mais j'ai pas le choix. J'ai pas d'autre solution. Donc, je vais rester comme ça. Et on va commencer. Vous avez la caméra immersive là qui capture le mouvement de la goutte. Alors, il y a eu un mini craquement, mais c'est pas normal, c'est sûrement normal. J'ai cru entendre un truc, mais je suis pas sûr. Cette séance que je suis en train de faire, ça s'appelle une séance de Ouija. C'est une planche où il y a des lettres dessus, des chiffres, la mention oui et la mention non. Normalement, on est censé pouvoir communiquer ensemble avec ça. Je pose mes doigts sur cette goutte. Ce que vous devez faire, c'est me rejoindre, même si vous êtes plusieurs, vous installer et poser vos doigts sur la goutte pour la faire bouger. Ok ? Pour essayer de me dire quelque chose. Alors, je mets une lumière pour que je vois les lettres, parce que sinon, j'y vois rien. Donc, je vous donne un simple exemple. Moi, mon prénom, c'est Cédric, ou Oz, pour faire plus simple. Si je voulais vous montrer en écrivant mon prénom, je ferai comme ça. J'irai sur le O, puis sur le Z, et je reviendrai au centre. Est-ce que vous voulez bien me donner la première lettre de votre prénom ? S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre pour faire cette séance de Ouija? J'aimerais avoir votre prénom, s'il vous plaît. C'est vous? C'est vous qui venez de faire ça? Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît? Par contre, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais que ça vient de la droite, de là où je regarde. Là où il y a la caméra. Là où il y a la caméra, là-bas. Dans le couloir. Vous pouvez...
pouvez recommencer, s'il vous plaît. Ou déclencher un de mes appareils. Ou encore me rejoindre. Et me donner votre prénom. Je vais aller voir après ce que c'est. Je veux pas couper la séance de jeu comme ça pour ça. Quel est votre prénom ? C'est vous ? C'est vous ? C'est vous ? C'est vous ? S'il vous plaît. Rejoignez-moi et donnez-moi votre prénom. Putain, c'est la boule ça. Elle est là. Elle est par terre. Je sais pas si vous la voyez. C'est vous qui avez fait ça ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça ? Montrez-vous. Rejoignez-moi et donnez-moi votre prénom.
pouvez le refaire là, devant moi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites-la tomber. Vous venez de faire. Allez, putain. Je sais pas si... C'est une de ces trois portes. Ça vous dérange que je sois là? Est-ce que ça vous dérange? Après, je sais, c'est con ce que je suis en train de faire, je le sais. Je suis en train de regarder au cas où, s'il y a quelqu'un. Mais la maison est toute petite, donc s'il y avait quelqu'un, on entendrait un quelqu'un de physique. Tu vois, par exemple, je vous montre. Les escaliers. Il y a plein de gravats, des bouts de verre. Quelqu'un qui s'échappe. Par exemple, quelqu'un qui vient taper et qui s'échappe, on l'entendrait. Pardon, on l'entendrait courir. Donc là, c'est pas le cas. Ça ressemblait pas trop à ça, quand même. J'essaye. Après, toutes les portes font le même bruit. Vous pouvez refaire... Y a quelqu'un? Oh? Y a quelqu'un? Vous êtes là? Vous avez entendu? N'écoute pas. Dans l'escalier. Il y a quelqu'un? Je suis pas rassuré du tout là. Allô? Ça le refait. Et? Y a quelqu'un?